Partie 2 des insouleurs. Tu vois, tout ça c'est à cause de toi. Mais j'ai pas fait exprès. Ouais, ça doit être ça. Maintenant on va où maintenant? Ça va prendre genre des jours pour que quelqu'un me donne 10 euros. Je suis désolée. Ça va pas le faire, désolée. Donc. Tu attends là, tu ne bouges pas, et tu prends ça, et le téléphone. Je vais aller dans les rues chercher pour des gens de l'argent. Donc, tu ne bouges pas. Ok, ok, je vais te fermer ça. Oh. Maintenant, il faut que j'y vais demander aux gens. Allez, hop, c'est parti d'aller dans la rue. Ok, je sais c'est genre un peu trop, genre nul un peu, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès. Ok, je suis arrivée, oula, il y a des voitures, mais ils sont arrêtés parce que c'est rouge. Je vais aller au passage piéton, ouais. Allez, c'est parti. Je sais que lui c'est genre le principal, mais je vais changer et je vais mettre genre un policier pour la vidéo, bien sûr. Hey, vous! Hey! J'ai même pas encore 18 ans pour conduire! Oh, faut que je repose. Hey! Oula, il faut appeler les pompiers maintenant. Ok, je cherchais des pompiers en fait. Je voulais dire l'ambulance, pas les pompiers. Pam 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 pam. Arrêtez tout le monde, arrêtez les voitures, les véhicules. C'est lui qui l'a fait. Tu dois être mis en prison. Tu n'as l'air même pas de quelqu'un qui a 17 ans. Est-ce que je peux voir? Attendez. Vos papiers et vos permis de conduire. Votre permis de conduire. Ouais, c'est sûr, c'est pas un 18 ans, lui. Allez, hop, tu viens dans la voiture. Ouais. Je reste avec la jeune dame. Ok. Allez, hop, rentre. Ouais, rentre. Faites comme si la voiture était partie. Ok, on va la mettre dans l'ambulance, c'est juste à côté. Ouais. Oups. En fait, c'est là, en fait, c'est là. Ah. Oh. Let's go. C'est bien que c'est juste à côté. Ouais. Ok, cette vidéo, genre, cette partie 2 va être un peu, genre, courte. Mais je vais la faire, genre, vite, cette partie-là. Ok, du coup, elle va à l'hôpital. Sa fille Madeleine commençait à se douter de quelque chose. Pourquoi sa mère n'était pas encore arrivée? Elle appelle donc la police. Et la police lui a répondu qu'elle était genre prise par un accident. Elle était en choc et en pleurs. Les policiers la donna genre l'endroit, genre où il y a genre l'ambulance et tout. Et elle est partie pour voir sa mère, bien sûr. Malheureusement, Madeleine arrive à trop tard et genre l'ambulance, enfin, pas l'ambulance mais voilà, vous avez compris, il annonça que sa mère était maintenant partie. Elle était bien sûr en pleurs. La police lui a dit que elle allait être dans un endroit genre les orphelins et tout, genre où ils ont pas de parents, quoi. Plus de parents. Pas ou plus pas. Donc voilà. Elle était quand même en pleurs et ils ont laissé leur bagage, mais
Ils ont dû prendre son téléphone. Il fuit les funérailles. Funérailles ou peu importe. Et les policiers leur amena genre à leur funérailles du coup. Puis ils sont arrivés à leur funérailles. Oh, va t'asseoir tout de suite. Ok. Arrête d'espérer les andouilles. Ok, ok. Bonjour. Une autre personne. Oui, une personne. Bienvenue, ma chère. Merci, merci. Tu peux aller t'asseoir à côté de Sabrina. Ok. Saison ici, elle a l'air tellement triste. C'est bizarre. Ok, eh bien, on a du travail à faire. On va vous laisser. C'est qui, Stéphane? C'est la jeune fille qui vient d'arriver. Mais elle n'a pas le droit de la voir. Oh, je vous rendrai plus tard. C'est pas grave. Vous êtes sûr? Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, d'accord, on va partir alors. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ah, où on était maintenant? Allez, reviens-toi. Oh, voilà. Maintenant, je vais avouer les conséquences. Ouais. Et c'est mon téléphone. Va t'asseoir. Je vais régler ton compte après. OMG. Faut pas parler avec elle. Oh. Sabrina. Sabrina. Oh, et je m'appelle Madeline. Allez hop, c'est parti. Monte tes mains. Peu importe, vas-y. Ok, désolé, c'était un peu bizarre. Ok, monte tes mains. Ah, ça brûle. Qui t'a dit d'utiliser les jus? Va t'asseoir. Les jus, c'est que pour les enfants sages. Ok, ok, ok. Plus de bêtises à faire? Non, madame, ma baby. Bien. Viens devant la classe, la nouvelle. Alors, présente-toi. Je m'appelle. On s'en fiche. Va t'asseoir. Ok. C'est quoi ce que t'as dans la main? Une valise. Il y a quoi dedans? Oh, à manger. Mais si je prends ça. Mais vous allez faire quoi avec? Va t'asseoir. Mais c'est mes affaires. Ok, alors, c'est tes affaires. Je vais les garder juste là pour toi. Oh, merci. Va t'asseoir. Oh, merci. Viens devant. D'accord. Tu as envoyé les conséquences aussi? Quoi? Non, allez. Il n'y a personne ici. Personne pour te lever. Allez, ta main. Ah, arrête d'esquiver. Allez, hop. Alors, je viens vers toi. Arrêtez, madame, arrêtez. Non, stop. Tu vas être enfermé dans le cache-bille. D'ailleurs, il y a aussi, une grille électrique. Donc, si tu touches, tu... En plus, c'est couvert avec du tissu noir, donc tu peux pas voir. Et personne ne peut te voir en train de pleurer ou peut t'entendre parce que c'est vraiment très loin dans la ville. Donc, personne ne peut t'entendre. Et froid surtout. Et toi alors, c'est ton tour. D'accord. Est-ce que tu ne pleures pas? Ça fait genre 5 ans que je suis là maintenant. J'ai vraiment pris l'habitude. Je m'en fiche, va t'asseoir. Ok. Eh bien, c'est l'heure de la sieste. D'accord, 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 d'accord. Il y a de pleurer. Oui, madame, Appleby. Sieste, maintenant. D'accord. Oh, j'en ai marre de ces enfants. Sa valise. Elle a vraiment cru que j'allais la laisser ici. Peu importe, quoi dedans même. Ah, nul, nul. Nul, nul et nul. Il y a de bonnes choses, miam.
faire ça. Et on va prendre. Ça. Niam. Ça et ça. Non. Non, 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 non. Ah, non. Ah. Ah, je vais prendre un petit donut. Non, non, non. Or, c'est tout nul. Hop. Et. Allez, hop. Poubelle. Est-ce que je vais mettre mes affaires dans la poubelle? Laissez-moi entrer! Or, viens. Ah! Je t'emmène quelque part de plus. Pire, on va dire. Allez, hop, viens par là. Ah! Ah, ma tête! Pas de violon! Et la guitare alors? Y'a oui ou non? Non! Bah, trop tard. Désolé, désolé, non! Alors, si je fais, je te fais bouger. Non! Non! Allez, viens. Non, s'il vous plaît, non! Ah! La chaise! Allez, dors. Ok, ok. J'en ai marre du silence. Je vais tous les jeter. Allez, viens avec moi. Je vais te faire boire ça. Et toi aussi. 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 En plus, il dort avec la langue ouverte. Enfin, la bouche ouverte. Maintenant, vous êtes tous endormis avec le poison. Vous jetez un par un. Oups. Et oh. Attends, je pense que c'était ce jus-là, en fait. Oups, trop tard. Pas importe, moi, ils sont dehors. Je vais pouvoir manger. Nous avons oublié de... Les enfants sont tous dehors, endormis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous! Ah! Oups. Qu'est-ce que vous avez fait à vos enfants? Je sais juste empoisonné, je les ai mis dehors. Vous êtes en prison. Ah! 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 Oh, il se passe quoi? Pourquoi on est tout dehors? On va rentrer. Ouais. Oh, il se passe quoi? Ah bah, juste en prison et vous allez avoir une... Genre, maîtresse plus mieux. Elle est horrible. On savait depuis. Sauf que on n'avait pas vraiment de preuves. Mais non, on a des preuves. Il y a des caméras partout. Enfin... Que ici, mais voilà. Oh, ok. Mais du coup, c'est la première fois qu'elle fait ça, donc voilà, on a pris. Merci. La nouvelle va venir bientôt. Je vais bientôt venir. Coucou, c'est moi. Mais c'était toi la pompier. Pas le pompier, mais genre, voilà. Genre la docteur. Le docteur, peu importe. Oui, c'est elle, la nouvelle. Ouais, c'est moi. Donc, ouais, je vous laisse. Au revoir. Ok, vous pouvez tous aller vous asseoir. Elle a l'air plus mieux. Ouais. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la vie... Oh, désolé, j'ai pas fait exprès de parler. Oh non, c'est pas grave, tu peux parler. Vraiment? Oui, bien sûr. Eh bien, du coup, en fait, c'est que la méchante maîtresse ne voulait pas que on s'assoie à côté de nos potes. Oh, mais vous pouvez vous asseoir à côté de qui vous voulez. Ouais! Allez, viens. Ouais. Enfin. Salut, salut. Ok, on va apprendre quelques petites choses. Et aussi, j'ai construit genre quelque part où vous pouvez dormir. Ouais, parce que les chaises, ça nous genre tue le dos. Ouais, ouais. Bon, allez, on fait la leçon aujourd'hui. C'est à qui ce téléphone? Oh, c'est à moi en fait.
Oh, pourquoi il est par terre? Tiens. Oh, merci beaucoup. Je pensais que vous n'allez pas me le rendre. Parce qu'elle a jeté par terre, elle a jeté toutes mes affaires à la poubelle. Oh, je suis tellement triste pour toi. Je pleure maintenant. Ouais, comme nous tous. Oh, c'est tellement triste. Après la leçon. Ok, je vais vous montrer où c'est. Mais, genre, il faudra. Genre, y aller à part. Ok. Qui veut aller en premier? Moi! Vas-y. Qui veut aller en suivant? Moi! Vas-y. Suivant? Moi. Vas-y. Moi, s'il vous plaît. Ok. Ah, je peux aller? Oui, bien sûr. Donc, je m'en la donne. Oui. Vas-y. Wouhou! C'est où? Yeah! Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille! Haha, on va vendre ce téléphone. On va se mettre plein les poches. De toute façon, il est nul, mais on va se mettre quand même plein les poches. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez quoi? T'as mis notre pote en prison. Et c'est pas ma faute. Si. Mais vous m'avez demandé d'acheter une voiture. C'est quand même ta faute. Il est en prison maintenant. Et tu vas avoir les conséquences. Ouais. Ouais. Yeah. C'est quoi tous ces bruits? Oh, la nouvelle fille. Oh, merci de m'avoir sauvé les policiers. De rien, pas de problème. Vous allez tous en prison. Comme votre pote, je parie. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous. Hors de question. Allez, on y va. Non! On va avoir notre revanche. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont attaqué. Oh, les trois garçons, oui. Oh, c'est pas grave. Au moins, je suis partie en prison. Oui. Avancez, avancez. Voici votre nouvel endroit de maison. De pas maison, mais genre. Vous allez dormir. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup. Il y a aussi de la boisson, de la manger, de la nourriture, des parapluies s'il pleut, des vêtements, des plantes, genre des trucs comme ça. C'est tellement beau! Waouh! Il n'y a pas cette chaise pour tout le monde, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Waouh! Oh, des slimes! J'ai toujours voulu en toucher. Oh, c'est tellement triste. Oh, moi aussi! Ouais, moi aussi! Ouais. Waouh! Tu basket! Oh, j'ai trop envie d'en faire. Vas-y, on en fait. Ouais. Yeah. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Haha. Vas-y, orange. Ouais. Oh, c'est trop bien. Il y a de la nourriture. Oh, non. Ok, bon, c'est genre la fin. Donc, ouais. Je sais que j'ai utilisé genre mon garage pour ça, mais genre, ouais. Ouais, je vais terminer genre ici. J'aime pas trop genre faire des histoires genre tristes. Mais genre, je voulais pas genre terminer genre l'histoire Tokaboka. Je voulais pas genre faire la fin triste. Du coup, j'ai fait ça. C'est genre cette partie. De base, cette partie, elle devait pas genre être ajoutée, mais j'ai pas genre voulu faire une histoire triste. Elle était un peu triste, oui, mais voilà, maintenant ils sont tous heureux. Ils ont une très bonne maîtresse et les garçons sont partis en prison, donc ouais, les quatre. Et ouais, c'est un peu triste, mais il y a une bonne fin du coup. Donc ouais, je vais plutôt faire genre des histoires qui terminent genre bien
et pas des histoires qui terminent là, parce que je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà genre eu ce genre cette histoire, donc ouais. Voilà, genre ouais. Bon, j'ai pas trop à ce que je dois dire, donc on va juste terminer la vidéo là et on se retrouve pour une autre vidéo. Bye, Mirimbo.